Ici Philippe Leblanc à Port-au-Prince. Nous sommes venus pour l'ouverture du navire hôpital USNS de la Marine américaine qui vient traiter les Haïtiens. Regardez la foule, les gens qui sont arrivés depuis deux jours, qui espèrent voir un médecin. Des milliers de personnes, des gens qui sont arrivés donc lundi. On a rencontré en fil des gens qui venaient avec leurs enfants parce que leur enfant a probablement une grippe, un enfant qui avait le nez qui coulait. On a aussi vu des cas beaucoup plus lourds, donc un œil complètement tuméfié, une femme qui a amené sa jeune fille de 14 ans qui avait une tumeur à la joue. Elle est allée voir un médecin plus tôt cette année en Haïti. Ils ont retiré une partie de la tumeur, mais maintenant, pour avoir d'autres soins, c'est pratiquement impossible. Ça coûte très cher et donc les gens viennent voir les médecins américains car ce sont des services qui sont offerts gratuitement. Et lorsqu'on parle aux gens, on comprend l'ampleur de la crise et de la pauvreté en Haïti. La plupart des gens nous ont dit qu'ils venaient ici pour voir les médecins américains, car ce sont des services qui sont offerts gratuitement. Normalement, ils pourraient aller à l'hôpital, mais ils en sont incapables. Ils n'ont pas les moyens de se payer une consultation, n'ont pas les moyens d'aller voir les médecins haïtiens. Et lorsqu'on parle aux gens de l'autre côté de la rue, qui regardent avec curiosité cet attroupement depuis deux jours. Et lorsqu'on leur parle de politique et qu'on leur demande si la situation est pire depuis l'opération Pays Lock, l'opération Pays Bloqué en Haïti, donc depuis huit semaines, les gens nous disent que ça doit se terminer, que ça commence à être difficile pour à peu près tout le monde. À qui est la faute en ce moment? Est-ce que c'est au président Jovenel Moïse qui refuse de partir? Est-ce que c'est aux manifestants qui ça donne à de la violence en ce moment? On nous dit que le système doit changer, qu'il doit y avoir un compromis. C'était Philippe Leblanc à Port-au-Prince.